parce que sans casque, sans protection, seulement le problème c'est qu'un adversaire vous attaquera toujours quand vous n'avez pas de protection. Ouais. Hein. Donc, vous êtes chacun une chance de mourir, c'est pas une chance. Quand l'autre il est prêt, fais, fais gaffe vraiment de qui là, parce qu'il tranche réellement. Donc, on ne peut pas frapper tranchant contre tranchant. On va essayer de dévier la lame en arrivant. Coincé là, je ne peux pas aller plus loin. Donc, ça là, mais bien, c'est un peu de travers, messieurs. Donc, j'aurais pu essayer de récupérer, mais je t'aurais pas tranché. Vous avez vu comme il s'abaisse? Oui, je connais comme ça. Hein. Quand vous êtes grand, c'est beau petit. Toujours tourner dos au soleil, c'est mieux. Soleil, mon ami. Ah, derrière l'autre, aussi, pour marquer. Vous voyez là, on passait la salle carrément tous les deux. Ouais. Moi je transportais. Je transperçais jusqu'au poumon. Ouais. Ben, moi aussi, hein, jusqu'au poumon là. Sauf que vu qu'il avançait, ouais, il se transperçait tout seul. Et on meurt dans l'atroce souffrance demain ou après-demain. Alors, des... Fais gaffe vraiment de qui là, parce qu'elle tranche réellement. Donc, on ne peut pas frapper tranchant contre tranchant. On va essayer de dévier la lame en arrivant. Et là, je suis coincé là, je ne peux pas aller plus loin. Donc, ça là, elle est bien... un peu de travers, messieurs. Donc, j'aurais pu essayer de récupérer, mais je ne t'aurais pas tranché. Vous avez vu comme il s'abaisse? Ben oui, je le voyais comme ça là. Quand vous êtes grand, c'est beau petit. Toujours tourner dos au soleil, c'est mieux. Soleil, mon ami. Ah, le vu. Derrière l'autre aussi, ça peut marquer. On passait la salle carrément tous les deux. Ouais. Moi je transportais. Je transperçais jusqu'au poumon. Ouais. Ben moi aussi, hein, jusqu'au poumon là. Sauf que vu qu'il avançait. On aurait dit, hey, il a été percé deux fois. Et moi je mourrais bêtement. Ah oui, mourrais aussi, moi. Quitte. Une fesse en bois. Mais c'est pour ça qu'on leur a dit de ne pas s'approcher. Il est mort, papa. Et ben, il a perdu son arme. C'est pour ça que quand vous allez à la bataille, vous demanderez toujours à avoir un type devant vous avec un bouclier, une arme à une main. Ah, moi bien. Et vous, vous aurez votre arme longue derrière pour frapper. Les soldats qui utilisent ce type d'arme sont toujours très lourdement protégés. Ouais, sauf que là, tu sortais de la douche, t'as plus le temps de t'habiller. Ah oui. Et rappelez-vous, on attaque l'ennemi quand il n'est pas prêt, pas quand il est prêt. Vous essayez de déconcerter l'adversaire, vous rentrez. Bah oui, pour chercher la faille. La faille.
quelque chose qui se découpe. Et surtout pas glisser sur les traces de chien. Ouais. Pas tout de suite, hein. Demain ou après-demain. Oui, maintenant, ça fait pas bien sur le pire tombage. Ils sont morts ensemble en se battant. Ah oui. Oui, ça dure des heures, on vous a prévenu. Ça fait encore deux morts. Oui. Et alors là, c'est bête parce qu'on s'est escouillés tous les deux. Quand on est chevalier, devenir escouillé, c'est pas terrible. Bon. Ouais. Et non pas des armes d'entraînement. Ça s'appelle un grand couteau à viande. Donc là, si on coupe n'importe quoi, c'est embêtant. On se met dans des conditions qui sont plus proches de la réalité, on se dit, à la moindre erreur, on va y laisser une estafilade, des points de suture. Donc là, on hésite d'avancer, parce que ça donne du piquant. Ouais. Mesdames. Aussi, tu sais, tu leur demandes c'est quoi 30 cm, elles se font ça alors. Salut, qu'on menace toujours l'autre. Cotérisation, fer rouge. Embêtant, hein. T'as envie de faire fer rouge ? Non, moi non plus. Pour un guérisse. Ouais. J'ai survie au sol. Et maintenant, on peut s'amuser à attaquer tous les deux.